Bonjour les amis francophones, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Cause et effet ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on pourrait appeler le karma, c'est-à-dire le fait qu'une cause aura nécessairement un effet. Toute action que vous entreprenez aura un résultat, dit autrement. Si vous me permettez, je vais vous lire maintenant deux questions que je vous invite à vous poser quand vous avez l'intention de mettre en place une action. La première question à vous poser, quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et la deuxième question, apportera-t-elle satisfaction à moi-même comme à mon entourage? Donc vous voyez, deux questions fondamentales à se poser avant de mettre en place une action, de prendre une décision. Supposons par exemple que vous vouliez aller à Marseille dans le mois qui suit. Vous avez décidé parce que c'est une ville qui vous attire. Vous n'avez pas vraiment consulté votre famille à ce sujet. Et puis vous annoncez votre intention de départ. Vous n'avez pas pris en compte ce que nous, en PNL, on appelle l'écologie de l'objectif, d'une décision, d'une action. Et donc, vous allez susciter une énorme résistance dans votre famille, puisque il n'y a que vous qui êtes décidé à aller vous établir à Marseille. Donc, une telle action est vouée à l'échec. Vous décidez d'aller à Marseille, ce sera un échec. Cause qui entraîne un effet négatif. Ce qui vous aidera également dans la prise de décision ou avant de mettre en place une action, c'est de voir comment vous vous sentez, comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous-même, quelles sont les émotions que vous pouvez avoir. Parce que si la perspective d'une action génère chez vous une sensation de stress important, c'est que peut-être que ce n'est pas le bon moment pour mettre en place cette action ou prendre telle ou telle décision. Peut-être qu'il y aura un travail supplémentaire à faire avant de mettre en place cette action ou de prendre cette décision. Vous devez vous sentir confortable, à l'aise, bien avec vous-même quand vous faites cela. Alors voilà les amis, je vous invite à mettre cela en pratique. Quant à moi, je serai heureux de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao !